Salle à Montréal, on parle de 180 aller-retour. Comment ça coûtait cher? C'est trop cher. C'est trop cher pour nous, surtout les étudiants. Rebonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA à 18h. 15 cents en une nuit, la hausse spectaculaire du prix de l'essence a choqué beaucoup de monde ce matin. On n'avait pas vu ça, en fait, depuis 2 ans. Certains automobilistes se sont même rendus en Ontario pour épargner quelques dollars. Explication avec Andy Saint-André. Le sujet est sur toutes les lèvres. Ah, c'est du vol, carrément. Je pense que je t'avais de changer de job au prix double. On n'a pas le choix. Votre portefeuille en prend pour son rhume jeudi si vous devez absolument mettre de l'essence dans votre voiture. De quoi faire sourciller, surtout que la veille, il s'affichait autour d'1,75 $. On peut pas rien faire avec ça. Depuis le 2 août 2022, la dernière fois qu'on a vu les prix monter ici à Montréal et ailleurs au Québec, de 1,88 $ à 1,90 $. Et bien sûr, il n'y a pas qu'à Montréal où les automobilistes sont confrontés à un bond significatif du prix du litre d'ordinaire. C'est peut-être exagéré un peu, là. Faut faire avec, mais ça n'a pas de bon sens. Surtout pour une étudiante, là, je trouve que c'est cher. Inacceptable, je pense. En espérant que ça baisse éventuellement. La vie est de plus en plus chère. Donc... J'aime mieux le prix d'ici que le prix de Montréal. On va encourager celui qui vend le moins cher. C'est un marché qui est nerveux. Les gens anticipent ce que sera la réaction d'Israël envers l'Iran. Et on le voit présentement, c'est global et c'est également la même chose ailleurs en Europe. Contexte géopolitique mondial. Les nombreuses taxes aussi font partie de l'explication. C'est rendu à 6 taxes différentes qu'on paie à la pompe. Et ces taxes-là augmentent graduellement. À la fin, la somme de ces taxes-là ont également un impact sur le prix pour les consommateurs.